dire merci à Dieu. Louons-le de tout notre cœur, les mains levées vers le Seigneur. Il a été bon pour nous, il le sera pour toujours. Ceux qui se prient en esprit, prient en esprit. Glorifions le Seigneur. Lord, us to Jesus Christ. Jesus, love you so much. Lord, us to Jesus. Alaka soko mi bono pre. Lord, us to Jesus. Prendre vos places. Nous tenons encore de nouveau à nous excuser pour ce changement de programme. À mon avis, j'aurais préféré toujours que je sois là très tôt. Après une longue semaine, mais nous voulons vraiment me bien aimer pour des raisons inspirées par le Seigneur, que nous puissions avoir un seul service et nous allons voir dans l'évolution. Ça c'est de 1, de 2, les mouchoirs, la Sainte-Seine, et la position de main, l'onction d'huile. Ces choses-là, tu dois les garder dans ta conscience. Nous ne l'avons pas fait pour amuser la galerie. Utilise vraiment ton mouchoir. Il y a beaucoup de témoignages. Et moi-même, je suis témoin. Utilisez ça. Utilisez ça. Respectez les instructions du Seigneur. La Sainte Seine tout le matin. Et l'ambo tongo nyonso. Tu lis le psaume 23. Il y a une puissance extraordinaire. Lorsque nous nous souvenons de la mort et de la résurrection du Christ. Amen. Amen. Je suis arrivé hier. Je fais un petit voyage de 3 jours. Et c'est un bonheur de vous retrouver encore aujourd'hui. Alléluia. Demain, nous allons nous retrouver ici pour la prière. Nous allons prier pour la croissance dans tout le plan dans notre vie. La Bible dit Jésus croissait. En sagesse, en stature et en grâce. Et là, ce n'est pas le fait qu'il est Dieu. Parce que attend que Dieu, Jésus ne peut pas croître. Attend que Dieu, il ne peut pas croître. Mais quand on dit Jésus croissait, c'est dans son humanité. En tant qu'homme, il grandissait. Et nous sommes des hommes. Biso nous devons croître, nous devons nous développer. Il dit en sagesse, en stature et en grâce. Dans tous les aspects de sa vie, Jésus a cru, Jésus-Christ a grandi. Amen. Amen. Prenons Jean chapitre 11. Je ne sais pas combien de fois j'ai prêché ce texte. Le chapitre 11. Et lisons le verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Est-ce que c'est une reproche ou c'est un compliment? Pardon? Marie et Marthe, reprenons la lecture de ce verset. Marthe dit à Jésus, Seigneur,
Si tu eusses été ici, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Dieu là, tu peux lire ça sur une autre traduction. Déjà, est-ce que c'est une remarque ou c'est un compliment? Pardon? C'est une reproche, n'est-ce pas? Marie et Marthe font des remarques à Jésus. Lisons ces paroles vivantes. Donne le temps à le sommeil. Jean chapitre 11, verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, si tu avais été ici, quand ah, mon frère était très malade, il n'allait pas mourir. Tu es venu en retard. Jésus, et dans tout ça, la Bible dit que Lazare était une personne que Jésus aimait. Comment quelqu'un que tu aimes, comment qu'il a besoin de toi, et tu viens en retard, Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir, on n'a que ce seul frère là. Tu prétends que tu l'aimes, Jésus. Il fallait que tu sois là. Quand la fièvre était là, il fallait quand que tu sois là. Quand il était dans le coma. Et là, il est mort. Au lieu que tu sois là même le jour qu'il est mort. Voici 4 jours passés. Et c'est maintenant que tu débarques. Tu étais même au courant. On a envoyé les gens pour te dire. C'est lui que tu aimes malade. Lazare, que Jésus aimait, dont la sœur a répandu le parfum sur le pied de Jésus. Jésus les aimait, mais c'est une femme qui donne le meilleur, son parfum de grand prix. Malasi, elle a brisé le vase, pas elle a enlevé le bouchon, elle n'a rien récupéré. Je donne mes millions, je prêche à l'église, je suis protocole. Mais il est mort. Yakoufi, tu étais où? Yozala kiwap. Il paraît venir en retard. Dieu les a. Et pas n'importe qui, bien aimé, dans la vie. Combien de fois cela nous est arrivé? Que tu as besoin d'une aide. C'est besoin urgent. Éminent. C'est un SOS. Tu as besoin d'une intervention. L'argent. Mbongo. Ou un problème difficile. Et tu sais que cette personne-là a la solution. C'est lui qui a la signature. Si tu dis seulement un mot, les choses changent. C'est lui qui peut te recommander. Et tu arrives. La personne. Motongo. Ne dit pas maintenant. Et le jour qui vient, c'est trop tard. Et comme ici, mon attango. Trop tard. Tango sieleki. C'est comme les femmes qui sont allées au tombeau de Christ. Et ça, le gars là-bas, sur ma kenegi na malita Christo. Ils ont apporté le parfum. Ma kenegi na malasi. Doit embaumer le corps de quelqu'un qui est mort. C'est trop tard. Il y a des interventions. Et ça, même en tant que des humains, quand la personne qui est censée de t'aider, de te promouvoir, de te soutenir,
soutenir, de t'apporter l'aide, de répondre à tes besoins. Il te dit, pas maintenant. Et quand il intervient, c'est déjà trop tard. On est déçu dans le cœur. Et quand Marie dit à Jésus, oui, tu es là. Mais si tu étais là avant, maintenant c'est trop tard. Il n'y a plus rien. Il n'y a aucune solution. Tu es venu en retard. C'est une reproche. Remarque. Au dedans de son cœur, il est en train de dire beaucoup de choses. Cette phrase sort de sa bouche. Le loba, oui, bien, mon cœur. C'est l'abondance du cœur. Le bien, et ça n'a qu'autant de sa si Marie et Marthe, ceux qui m'ont dit, quand tu lis la Bible, pourtant autant la Bible, si à une seule famille, ceux qui sont les beaux, une seule maison, où Jésus a visité, oh, yes, ok, plus de sept fois, c'est la maison de Marie et de Marthe. C'était ses intimes. C'est là où il était assis, et l'une de ses étaient apportés la nourriture. C'était l'habitude. Ils étaient familiers. Mais Jésus apprend que leur bien-aimé frère, Lazare, un homme de bien, est mort. Mais Jésus ne se précipite pas pour venir. Et quand il arrive, c'est trop tard. Il n'y a plus rien. On n'a plus besoin de la prière. Non. Parce qu'il n'est plus là. Pour y sauté. Marie dit ça. Tango Maria le bibo. Marthe. Dans leur cœur, il se passe beaucoup de choses. Et nous, tels que nous sommes là aujourd'hui, sans avoir l'orgueil et la prétention, nous disons la même chose. Ça allait être bien en 2002. Quand Nakala, tu pouvais déjà le faire. C'est dans la Bible, vous voyez des gens dire jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand tu tarderas à faire telle chose. Oh bien-aimé, oh, bien-aimé. Cela nous arrive tous. Jusqu'à quand nous allons rester dans des conditions comme ça? On a le terrain, il faut construire la cathédrale. C'est à cet âge que je m'aimerais bien être pasteur de cette cathédrale, prêcher l'évangile. Ça peut paraître tard. Les nominations sont venues. Mais ton nom ne se figure pas. Ça paraît tard. Et quand Marie le dit, elle veut dire beaucoup de choses. Et nous les disons dans notre cœur. Ça montre que Jésus, tu es convaincu qu'il t'aime. Mais il montre aucun empressement, aucun intérêt. J'ai 30 ans, j'ai 37 ans. C'est là où je dois avoir les enfants. Mais là, j'avance. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Parce que quand Lazare était malade, c'était difficile. Mais pourquoi Jésus a tant dit que la difficulté devienne impossible? Comment ça, Seigneur? Pourquoi tu fais faire ça? Cela montre que Jésus n'aurait pas pu être un véritable ami. Parce qu'il est un vrai ami. Je te dis un vrai ami. Et parfois plus qu'un frère. On ne peut pas dire Lazare est l'ami de Jésus. Lazare est l'ami de Jésus. Et quand il a des problèmes, Jésus ne vient pas. Donc, ça peut paraître comme Jésus n'aime pas Lazare. C'était que de la propagande. C'était que de poudre aux yeux. C'était que du mirage. C'était que mes bien-aimés. Une nuée s'emplouit. Ça ne représente rien. Est-ce que Nzambalingingai? Regardez comment je suis. Parce que la Bible dit que Lazare est aimé par Jésus. Mais quand il est dans les vrais besoins, Lazare avait beaucoup de besoins. Lazare avait beaucoup de besoins. Manger, s'habiller. Mais ça c'est particulier. Une maladie grave. Très grave.
Tu vas avoir beaucoup de besoins. Tu as des nuits pénibles, difficiles. Et quand cela paraît irrésolu, tu peux être convaincu dans ton cœur. Non. Dieu ne m'aime pas. S'il m'aimait, ce n'est pas ça qu'il devait faire. Et le diable sait. Diable si tu arrives à convaincre que Dieu ne t'aime pas, c'est un boulevard, mes pieds, pour toutes sortes de démons. Parce que l'amour, c'est le vrai besoin de l'homme. Chacun de nous veut se sentir aimé. Être aimé. Ce sont des choses importantes. C'est comme ça la Bible dit. Car Dieu attend aimé. Donc ce qui apparaît, le tableau qui est là, sinon il n'y a rien qui monte. Et le Lazare était Lazare par Jésus. Et que la Bible le dit. Parce que si tu as vraiment l'amour, tu ne peux pas laisser ton ami malade mourir. Tu ne peux pas la laisser stérile sans enfant, sans emploi. C'est comme ça même quand je prêche l'amour. Que ce soit à l'église, à la télé, dans les réseaux sociaux. Différents. Parce que mes bien-aimés, les vicissitudes de la vie, la complexité des problèmes, peuvent nous faire croire que nous ne sommes pas aimés de Dieu. Mais mettez-le demain sous la cœur. Je suis aimé 100% par Dieu. Répétez-le encore une deuxième fois. Je suis 100% aimé de Dieu. Encore une troisième. Est-ce que vous comprenez? Dans son cœur, pour que cette phrase sorte, c'est comme Lazare n'était pas vraiment le bien-aimé. Moi, je sais ce que je fais pour les gens que j'aime. Moi, Jean Bosco. Pour les gens que j'aime. Bien-aimé, je n'épargne rien. Rien du tout. C'est que je suis aujourd'hui. Je pouvais être plus que ça. Je parle matériellement. Parce que mes bien-aimés, je ne peux pas voir. Mais quand les gens que j'aime, quand j'étais absent, on m'a dit que mon fils ici était malade. Pierrot. Ça veut dire ce matin, c'est la première des choses. Où est Pierrot? Et quand il arrive, d'habitude, quand il rentre dans mon bureau, sort, je dis, assois-toi. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as? Et il m'a dit que sa soeur était opérée. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Entre-temps là, Lazare est malade. Mais la personne est supposée l'aimer. Il ne répond pas. Et il vient. Elle vient à la personne au moment qu'on n'attend pas. Deuxièmement, dans son cœur, cette déclaration impliquée que Jésus était Yesu prétend aimer Lazare. Maintenant, aucun souci. Il se soucie. Et beaucoup d'entre nous, mes bien-aimés, ne pensent pas qu'ils sont des préoccupations de Dieu. Beaucoup. Que Dieu se soucie de ce qui se passe à l'Ukraine. Que Dieu se soucie de la Chine, des États-Unis. Mais moi, qui habite Malueka, est-ce que Dieu se préoccupe vraiment de moi? Mais ce que tu lis là, donne l'impression
comme Lazare est vraiment le cadet des soucis de Jésus. Aucune préoccupation. Aucune attention. Aucun regard. Non, il continue sa retraite. Parce que n'oubliez pas. Pourquoi Jésus est là? La Bible dit ceci. Jésus a dit quelque chose. Vous voulez que je vous le dise? Jésus a dit. Moi et le Père, nous sommes un. Cette phrase-là, ça a choqué les Juifs et les Pharisiens. La Bible dit, ils ont pris des pierres pour lapider Jésus. La contestation était vive, était grande. Jésus Christ s'est escarpé. Je ne dis pas qu'il a fouillé. Jésus s'est éloigné de ces lieux. Mais la Bible donne une précision. Il est retourné là où Jean-Baptiste l'avait baptisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé là où Jean-Baptiste l'avait baptisé? Le ciel était ouvert et une voix a dit: celui-ci est mon fils. Ça veut dire qu'il y a contestation. Quand les gens s'opposent, quand tu es l'objet de calomnie et de critiques, retourne là où le Seigneur a ouvert le ciel et il a dit que toi tu es ma fille bien-aimée à qui j'ai toute mon affection. Et dans cet endroit-là, les nouvelles viendront pour t'éloigner. Ça veut dire quand on est venu dire à Jésus, Lazare est mort, Jésus est resté dans cet endroit. Et une voix était sortie. Pour t'enlever du lieu où le ciel s'est ouvert sur toi. Du lieu où Dieu avait dit qu'il t'aime. Parce que nous nous posons la question. Pourquoi il n'est pas allé? L'endroit où il s'est trouvé. C'est là où il devait retrouver le force. C'est là où il devait être oxygéné. Nous nous cherchons à chasser les démons de la contestation. Les gens se posent moi. Seigneur, envoie le feu. Non. Il y a contestation. Jésus est allé là. À quel pays? Où le Père l'a dit. Et pas été tel le bagne. Te haïs. Parle mal. Mais ne plie pas. Kasi. Tu es mon fils. Bien-aimé. Et bien-aimé, quand tu es convaincu de l'amour de Dieu, c'est là où la Bible dit. Si Dieu est pour nous, qui? Nani? Hein? Nani? Hein? Nani? Hein? Nani? Et ces phrases-là, l'obawana, rien ne peut nous séparer. Et l'amour de Dieu. Il est rentré. Il y a eu le témoignage selon lequel tu es mon fils. Mais dès que tu es convaincu que Dieu t'aime, et que Dieu est de ton côté, n'importe qui peut se lever. Et tu n'auras pas peur. Ils sont que dans la chasse des démons. Ceux qui ne sont pas convaincus de l'amour de Dieu ne font que chasser les démons. Oui. Il y a solo. Tu es aimé par Dieu. Dieu est fou amoureux de toi. Le pasteur nous a dit. Pasteur Abissibiso. Dieu a créé tout au sixième jour. Nzamba kela kabnyonso na mokola moto ba. Et après il a créé l'homme. Pesi mononga keli moto. La Bible se reposa. Bible dit apema ki. Mais dès que l'homme pêche. Kaka tanga moto sumuki. Nzamba kati repona ye. Dieu a arrêté son repos. Donc elingi koloba pona yo. Ça veut dire pour toi. Pe matamo ki. Il ne peut pas se reposer. Vous ne comprenez pas. Mososo la ngote. Nasonga nanga bipai na oti. Aïe.
Notre problème, c'est que vous comparez l'amour de Dieu à l'amour d'un mari. Non. Nzambe bolingo na yeza quel masomo. O sala mabe, o sala malam. Quoi que tu fasses, rien ne change. Ça veut dire que ça te pour sali malam bolingo na mati. Tu as bien agi que son amour grandit. Et quand tu agis mal, son amour baisse. Parce que nous sommes comme ça. C'est comme ça que sont les hommes. Nous nous aimons pour des raisons. Mais lui, il aime sans raison. L'amour de Dieu n'a pas de cause. Alléluia. Mais oh, papa Simon, tu comprends même quand je parle de l'amour. Attends, on va passer dans le bolingo. Mambo que ça m'inquiète. Oui. Il y a solo. Le mot amour résonne très mal dans nos oreilles. Liloba o bolingo to so so rango mabe na matoi na biso. À cause ya baka lokola ya Lazare. Oza ko passé nango. À cause de ce que les gens se disent. Tu penses que Dieu ne t'aime pas. Azana souci na yote. Et que Dieu ne se soucie pas de toi. Jésus a teyi a teyi a teyi. Jésus après avoir tréché. Jésus, qu'est-ce qu'il a à faire? Il dit à ses disciples, donnez-les. Les disciples ont dit que ce que nous avons ne suffira pas. Tout ce qui viendra dans sera insuffisant. Aucun homme ne peut t'aimer plus que Dieu. Parce que Dieu. Pourquoi beaucoup de mariages échouent? Parce que ce que tu attends de la relation est au-delà de l'humain. Et qui m'a coquille à bon moto. Et quand tu le trouves pas, tant aux yeux en côté, le problème commence. Parce que tes attentes sont tellement élevées. Mais c'est un humain. Quand c'est un des moto pamba. Ces gens d'hommes ne sont ni en Afrique, tu ne les rencontreras ni en Europe, ni en Afrique, ni en Asie, ni au Congo, Amérique, même pas en Australie. Ce que pour ça, il n'y pas la moitié en Mboka, à mon akaka mwinda, au Kobosana. Comment ça bat? Tante na yote. Na lobite koza la standard ne sala na se. Mais il faut pas aller dans des choses surhumaines. Koke nete na makambo eleki makoki ya bomoto. Lokola mikolo nyonso soki na damu ki fo atie la kanga déjeuner akolemba. Akolemba. Lobane azamutu. Azamutu. Soto baoyo bakoli kozanga bolingo. Tanga koti na relation akosenga na moninga makambo yo muta kokoko kokisate. Pe okomona mutu musale esili moya zonga na ndako ezate. Batuni mutu moko est-ce que moi si nazala kamala malobi azala kamala mutangwa lali. Le seul moment que c'est une bonne femme quand hein, elle dort. Ça veut dire quand elle se réveille. Quand on regarde la mouki. Même dans le coin dans un pasteur. Parfois, bozo senganga makambo eleki nazalanga moko apôtre Paul, ngamoko Pierre, ngamoko David, ngamoko Abraham. Les a passé. Soko botina ya kotala yo mwana buka natali yo oya zo un examen de tana na tongo na ke kokunda mususu na pokwa na pambola libala lobina ya koteya tomba ni na zo chaka ka boy boy soki na tindi moko yanga ano ye moko yakate na longwe na nganga eglise. Hein?
Et quand l'église est au commencement, c'est tout ce que je fais. Tant je balais, j'arrange les chaises, après je prêche. Mais après, c'est pas possible. Et comme il passe. C'est comme ça, la plupart d'entre vous, vous avez dévié vos pasteurs. Parce qu'ils doivent répondre à vos besoins. Et le pauvre pasteur change même le message. Parce qu'il doit répondre à tes besoins. Et il se garde de l'évangile. Combien de fois ici, mes collaborateurs me disent, mais pasteur, organisez les réunions des familles. Mais quand ils entendent ça, c'est parce qu'ils ont fait ça ailleurs. Comment vous pouvez expliquer? Dans toutes les églises, quand on parle de famille, toujours en mal. C'est comme il n'y a rien de bon dans nos familles. Vous avez dit ça. Vous avez dit ça. Vous avez dit ça. Dis à ton voisin, tu es le souci et la préoccupation du Christ. C'est comme ça que la Bible dit, il n'est sommeil ni. Amen. Ceux qui sont entre mes mains. Tu es le souci de Dieu. Aux et quand Jésus dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. C'est vrai. Ya solo. C'est vrai aussi. Ya solo que tu n'es pas la préoccupation de tout le monde. Yo, mais pour Dieu, tu es sa préoccupation. Regardez les propositions des disciples. Renvoyez-le. Ce que nous avons n'est pas suffisant. Voyez ce que les gens proposent. Ils vont te renvoyer. Ils vont te remballer. Et ils te diront, je ne peux pas le faire. Je semble être le seul qui a reçu de ma famille. La charge qui est sur ma tête. Parce que tout le monde qui vient, tu dois répondre à ses besoins. Et il y a des jours, quand je dis à un cousin, un frère, que je ne peux pas le faire, c'est l'inimitié qui commence. C'est une colère, mes bien-aimés. Parce que tu l'as dit, je ne peux pas. Entre-temps, on a un Dieu. Lui. Yeah. Tu es sa préoccupation. Il a changé le pain. Il a multiplié le pain. Partout. Il a interrogé. Donc quand ils ont dit, quand elles ont dit, si tu étais ici, notre frère n'allait pas mourir. C'est pour dire, tu l'aimes, mais tu ne te soucies pas de lui. Tu prétends le mais. Mais tu ne te préoccupes pas de lui. Ne crois pas à ça. La Bible dit, lorsque nous étions des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Combien a plus forte raison aujourd'hui que nous sommes justifiés. Bien-aimé, j'ai parfois quelque chose qui me choque. Il y a des prédications quand tu entends. C'est comme Dieu aime beaucoup les païens, mais quand tu deviens son enfant, il devient plus sévère avec toi. C'est diabolique. Je dis c'est comment? C'est diabolique. Il croit que quand tu es païen, Dieu est plus tolérant, Dieu t'aime beaucoup, mais dès que tu deviens son enfant, il est là avec un bâton. À moins de problèmes. Et beaucoup de gens croient ça. Il y a même des gens qui croient. Lorsque je me suis converti, tout ce que j'ai demandé à Dieu me donne. Maintenant, il ne le fait pas parce que j'ai grandi. C'est un mensonge. Quand tu étais jeune dans la foi, tu t'appuyais que sur lui. Mais maintenant que tu as grandi, tu t'appuies sur le jeûne, tu t'appuies sur la prière. Dieu agit parce que je suis un serviteur. Aboy. Et il ne faut pas dire qu'il était bien avec moi quand j'étais jeune dans la voie. Maintenant, il ne répond plus. Non. Quand il était, il était bien avec moi quand j'étais jeune dans la voie. Maintenant, il ne répond plus. Non.
Maintenant, tu as la foi sur autre chose que lui. Parce que tu ne fais plus tes 40 jours, tes 7 jours. Pour qu'il a rassumé que le sambote, je te bénis pas à cause de toi et à cause de moi. C'est comme ça la grâce. C'est quelque chose d'extraordinaire. La seule chose qui peut faire que quand Dieu intervient dans ta vie, et que toute la gloire lui revient, c'est quand tu crois que Dieu t'a donné par grâce. Et ça, ouais. Reprenez la phrase. Vous avez oublié? Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? La seule chose qui peut faire quand un miracle, quelque chose arrive dans ta vie, que toute la gloire revienne à Dieu, quand cela ne se fait pas, et là il n'y a rien de toi. Il y a des pasteurs qui aiment lorsqu'on témoigne qu'on cite leur nom. C'est ridicule. J'ai dit c'est ridicule. C'est comme ça le message de grâce. Parce qu'il n'y a rien de l'homme. Et l'homme dans son orgueil. Quand tu le mets à côté, il est énervé. Vous ne pouvez pas savoir combien je suis contesté aujourd'hui. Protégez-moi. Parce que ce que je prêche détruit les fondements. Ça met vraiment l'homme à côté. Donc quand il dit ça, donc il croit que Jésus ne se soucie pas de lui. Troisièmement, quand ils disent que si tu es ici, notre frère n'allait pas mourir. En d'autres termes, cette mort a été provoquée par Jésus. Kufa, oh, Yesu mutasalegete ya kufa. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Mabe ewutaka na nzambe te. N'est-ce pas? Isaboy. Je suis en train de vous révéler ce qui se passe dans le cœur de Marie. Makamboni n'ezali ko tambola kati na motema ya Maria. Ça doit pas être ainsi. Esengeli ko zala bongote. Est-ce que vous comprenez? Bososolango. C'est pas lui. Ezayete. Qui a occasionné. Nda sala ki ete. Qui a favorisé. Wa sala ki ete. Qui a sponsorisé. Wa sunga ki ete. Qui a donné libre cours. O ya pesa ki nzela ete. C'est pas lui. Esaïeté. Donc quand Marie parle ainsi, tango Marie azolo ba bongo, Jésus, c'est toi qui es à la base. Azolo ba Yesu mabe utinde na yo. Si notre frère est mort, ce qui ndeko na biso akufi, tu allais venir à l'heure. Yo osinga olinga koyana ngonga malamu. Il n'allait pas mourir. Paye alinga kako kufi. Mais maintenant qu'il est mort, awa siko ya kufi, c'est toi qui as voulu. Jusqu'à cet âge, je ne me marie pas. Que je ne sois pas je ne travaille pas. Que mon nom ne soit pas sur la liste. Jésus, c'est toi. C'est toi qui favorises ça. Est-ce que vous comprenez? Tu dois bannir ça. Il n'est pas l'auteur du mal. Aucun mal ne viendra de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tout ce que je suis en train de dire, je suis en train de combattre tous les éléments négatifs, je peux venir te convaincre que Dieu ne t'aime pas. Parce que Lazare que Jésus aimait beaucoup. Traverse ça. Et écoutez les témoignages de ses sœurs. Enlève ça dans ton cœur. Longola yango na motema na yo. Ce qui t'arrive là. Oyo zo komelo wana. Ezayi. Non.
Je vais m'arrêter aujourd'hui ici. Le je semble être fatigué. Je vais continuer. Et après, je vais vous dire. Si ça tarde réellement, qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont assis se lèvent. Mettez les deux mains sur le cœur. Ceux qui prient en esprit, Et maman, la révérende Annie viendra nous conduire. Révérende Annie, ayo kamba biso.